Bonjour, je suis Gilles et avec Ingrid, nous proposons d'installer des nichoirs à hirondelles, à chauves-souris, à mésanges, à moineaux dans toute la ville avec trois objectifs. Le premier, c'est avant tout d'essayer de lutter contre les espèces d'insectes invasives dites nuisibles, telles que les moustiques tigres, la pierrale du buis ou même la chenille processionnaire. Il faut savoir que les chauves-souris peuvent manger dans une nuit jusqu'à plusieurs milliers de moustiques. Et en journée, les hirondelles, les moineaux vont aussi contribuer à manger moustiques, le papillon de la pyrale, mais aussi les larves ou bien directement les chenilles. Le deuxième objectif, c'est aussi de favoriser le retour en ville d'espèces qui sont protégées et même souvent en voie de disparition, donc les oiseaux et la chauve-souris que je viens de citer. Et puis le troisième objectif, c'est de faire un peu de la pédagogie, c'est d'informer, c'est de sensibiliser les enfants pendant la pose des nichoirs aux espèces en voie de disparition. Et puis c'est aussi d'expliquer aux plus grands que chacun peut, à son niveau, lutter contre ces espèces invasives et puis favoriser le développement de la nature en ville et de ces espèces en voie de disparition en installant des nichoirs avec les conseils des experts, par exemple de la LPO ou d'autres experts pour nous expliquer comment installer un nichoir, où est-ce qu'il faut le mettre, quel est comment c'est le plus optimum pour qu'il puisse être rempli et puis utilisé par les oiseaux.